Mais au lieu de dire oui devant le maire, tout ému, ils ont dit à dada. Après ça, aussitôt, ils allaient à minuit au dodo, à dada. On servait le café à dada. Quand papa pêchait dans la rivière, il tombait la picot à dada. Le dimanche, on faisait la prière, à genoux, mais toujours à dada. Et pendant ce temps-là, le grand-père jouait au bille en faisant à dada. Mes cousins, mes deux sœurs et mon frère pratiquaient le tennis à dada. Quand maman, quand elle fut centenaire, a fumé un cigare à dada. Le docteur, pour soigner mon grand-père, lui dit ça, viens me mettre un dada. Vous voyez, ici-bas sur la terre, tout va bien quand on est à dada. Ah, d'accord.